Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode de For the King. Nous sommes accompagnés de Shinai. Bonsoir Shinai. For the King. Et on commence directement avec un petit repère de pirates. Ah oui, ça va. Ouais. Baston. Oh, un petit piège. Un petit piège à désamorcer. C'est parti. Oh, c'est parti. Attention, le piège de votre vie. Oh là. Il n'a pris aucun risque. Il a pensé à mes points de vie. Ça me fait plaisir. Ouais, ils sont un peu bas. Bien que maintenant, avec mes 25 d'armure, ça va aller mieux, je pense. Comme je disais dans l'épisode précédent, t'es plus tanky que perso. Guerrier, mage tank, assassin. Fais le café. Ouais, la palourde. Ouais. On l'a buté parce qu'elle a envie de perdre une pièce de stuff. Ouais. J'aime beaucoup le principe sur lequel elle explose. Le principe sur lequel quoi ? Comment elle explose en fait. Ah oui. Ok. Parce que finalement je t'entends peut-être un peu bas. Alors je sais pas si c'est toi qui es un peu loin de ton micro, tu parles un peu bas. Je sais pas, peut-être que là c'est mieux. Ouais, mais attends, je vais te rehausser un peu pour ton tube. Hein, parce qu'on t'entend pas forcément énormément. Voilà. Voilà. Ah bah maintenant t'es aveugle. Eh, hey, mets ton casque à l'endroit. Mon dieu, tu as perdu de la force. Tu n'es plus biclassé guerrier. Ah oui, du coup je suis plus immunisé aux malédictions parce que c'était la robe qui me donnait l'immunité. Ouais. Ah, c'est pour ça que la robe était cool aussi. C'était vraiment histoire de... Oh, double esquive. Olé. Eh oui, c'est normal, j'ai 10%. Rappelle-toi, je suis également assassin. C'est vrai. Sous-classé en ninja. Et en classe légendaire, Shinobi. Toujours plus de caisse. Et en classe légendaire, Gripsou, moi j'aurais dit. Merci. Bientôt c'est niveau meilleur. 12. Nice. J'aurai enfin des points de vie. Alors, tu vas la projeter la porte ou je vais me vénère? Alors, je la cogne, 9%. Franchement, ça passe. T'as de la chance que j'ai une malédiction de force, hein, sinon je l'aurais fait. Toc, toc. Que 16 par contre. Mais des portes qui rapportent plus. Ouais. Oh, je pourrais nous faire un repos de groupe. Arrête avec tes conneries, regarde où on est. Bah, en vrai, on s'en sert jamais. Et on n'a pas de but de s'en servir. En vrai. Donc là, ça permettrait de récupérer 2 points de récupérer de... pour moi et Samael. Et toi, tu récupérerais 1 point de concentration sur l'esquive de téton. En vrai, mec, on s'en est servi que d'une seule, pareil, juste pour ça. Parce qu'après, boss final... Et les temples, y'a pas, hein. Y'a pas de zone de repos, hein. Allez, vas-y, j'en pète une. De toute façon, il en reste 2. Ouais, comme ça, je suis full PV... Mais très confort, voilà. On peut regarder ce voleur et lui dire tu es mort, mon pauvre ami. Ah, je pourrais essayer de. Ah non, le gros nibou. Le gros nibou. Ouais, ou la goule. Tu veux. Si tu veux enlever une attaque, la goule, parce que c'est la prochaine à jouer. Ouais. Olé. Oh là. Je peux même faire un truc intéressant, regarde. Tu vas l'empêcher de jouer? Ouais. Du coup, il jouera j'ai vraiment plus tard. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est... Choc électrique sur le coude, comme ça le voleur ne peut rien nous faire. Alors, c'est du génie ou pas? Du génie! Rechargement. La prochaine balle, elle est pour toi, mon gars. Oh mon dieu, je t'ai bloqué! Bah du coup, s'il est handicapé, lui, on va le rect, hein. Toujours plus de caisses. Ah oui, par contre, ça y est, il est plus sous choc électrique. Ah, ils auraient dû lui lancer un choc électrique. Ah, si tu peux lui mettre un coup de baïonnette, mets-lui un coup de baïonnette, frère. Ah, tu veux que je le finisse au coup de baïonnette? Oh bah vas-y, un coup de baïonnette, parce que là, en fait, il a joué, c'est ça qui est chiant.
Voilà. Ouais, il joue deux fois. Oui, bah il joue vite en fait. Ah, c'est bien, t'es immunisé. Oh. Bah parfait, s'il se laisse mourir. On en parle du fait que Samael a plus de PV que le tank. Je viens de capter. Ah oui, j'avoue. Le bandeau de pirates. Non, celle-là elle est nulle par contre, je suis désolé mais elle est nulle. Elle est trop difficile à gérer en fait. Ouais. Tu noteras que j'ai toujours pas utilisé l'arc doré. Hein. Je pense que je le prendrai pour le boss, mais au lieu de recharger, je prendrai l'arc. Ok. Oh bah, ça tue. On en profite un peu trop depuis que j'ai une mise aux malédictions, je trouve. Ouais, ils sont chiants. C'est lui qui a mis la malé. Ouais. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, la porte laquelle je fais, elle est bloquée. En plein combat. De quoi? Pourquoi t'as changé d'arme en plein combat? Bah parce que c'est pareil que si je recharge en fait. Ouais. Et du coup t'as pas rechargé. Du coup là tu peux pas one shot quelqu'un en fait. Donc je suis déçu là. Tu vas Par contre ça abusif, hein, avec 85% de chance que ça passe, hein, 100 mètres de points. Hein, on rappelle. Ça fait plaisir. Par contre oui, ah oui, il y a une autre chose qui est intéressante à effectivement ouais. Fait de jouer à l'arc et pas au fusil, bah c'est que ta compétence toi, elle proc que sur les arcs. Oui, c'est vrai. Le tir annoncé. C'est vrai. Bon, le rub. Ah, ça c'est pour toi. Par contre, je suis déçu que ça coûte que 2 pièces d'or hein, le rub. Ah, est-ce que tu veux les mettre? Je perdrais 3 d'intelligence. Ouais, mais tu gagnes 2 de dégâts. Ah, 2 dégâts d'attaque. Ah, je sais pas si. Et ça marche? Ah, oh, ça marche parce que c'est de dégâts d'attaque, c'est pas forcément du physique. Par contre, est-ce que je repasse pas en robe de sorcier, du coup? Ah ouais. Est-ce que tu utiliserais pas tes un fléau de... Ah non, c'est des trucs nuls. Je repasse au max. Bon, je perds beaucoup d'armure du coup. Mais voilà, bon, écoute, au moins on est tous en stuff botte des enfers. Ah! On peut nous appeler les marcheurs de l'enfer. Les marcheurs de l'enfer. Piller un cadavre. Bon, bah d'accord, j'ai compris. En équipe, hein, ça va, c'est bon, insiste pas le jeu. Ah! Ah, j'équipe. Par contre, hein. Mon chapeau me donne 4 d'intel. Si je pars sur un petit chapeau du Vénard, je passe à 93 d'intel. Ouais. Un petit bandana de pirate. Ouais, ça fait. Regarde, là on est parfait. Bandana de pirate, vu que c'est du stuff esquivé, tout ça, c'est du stuff assassin. Ouais. On est sur des bottes de guerrier et une tunique de. Oh, regarde ça. Hein. On est parfait. Je perds 2 points d'intel, mais c'est juste pour le fun. Il te manque plus que le banjo. Et du coup, j'ai l'immunité au vol. Et ouais. Voilà. Mais il te manque plus que le banjo. C'est vrai, pour un petit lutte là, on serait bien. Et ça n'aurait plus aucun sens. Non. Personnage qui ne ressemble plus à rien. Et oh. Par contre, est-ce qu'on en parle que... En vrai, je vais quand même maximiser mon intelligence parce que je préfère avoir quand même l'intel à fond parce que mes sorts sont un peu gourmands à partir du moment où je fais plus que le sort de base. Alors, ce n'est pas un coffre. Voilà. Mais on peut le taper si tu veux. Ouais, sinon on peut le taper. Et on va se faire attaquer. Hein? C'était un vrai coffre? Bon alors là, choc à dessiner. Enfin, bon ça fait plaisir, c'est récupéré. Panax. Bah pour moi ou Samael, mais pas toi en fait. Tiens, c'est toi. Ouais, hop, c'est récupéré. Ouais, faudra, on va aller à Lance-Brume. Je vais aller me faire une petite bénédiction là, je pense que... Ouais. Bravo. Du coup, on a trouvé une nouvelle grotte.
tombe bien, c'est sur notre chemin. Venez, camarade. Ramassons ce groupe tout entier. J'ai pas de mouvement, tu sais quoi, je vais en profiter pour récupérer quelques PV. Voilà. J'ai perdu notre... Un trésor. Oula, ah oui. C'est parti pour nous envoyer à nous embrouiller avec le boss, le truc. Ouais. Il se passe des choses. Oh, plus de déplacement. Bon bah... Ok, moins de déplacement. En même temps... Ben ça, quelle chance. Oh. D'accord. Ah mais du coup t'es encore au fusil de base. Ah oui comme ça, ah oui ton idée c'est de garder le fusil en base et de switch à l'arc au moment où il faut recharger. C'est ça. Ce qui est pas forcément très opti parce que du coup tu prends des bonus de passif de l'arc, parce que l'arc te donne un bonus de vitesse je crois. Ouais au moment où je reprends. Mais... Ouh ça, ça fait mal. Ouais. Bah un coup de... Ah oui non, un coup de baïonnette ça passera pas. Ça changera rien. Oh bah oui, va taper la personne qui a le plus d'armure. Ah oui, il se prend des rétro dégâts avec nous du coup. J'ai cassé le coffre. Bon bah du loot. Oh, y a aucun loot. Si si, il va y avoir du loot. 240 balles. Si, du loot. C'est tout. En fait c'est juste un coffre, mais il faut d'abord taper le coffre avant de pouvoir l'ouvrir. C'est une certaine forme de serrure finalement. Ouais. Ou alors il avait mangé un garde des villes. Bah qui était bien blindé, il s'est mangé le capitaine. Hein. Tiens, je te laisse y aller. Eh hey, mais où tu vas? C'est parti, quête annexe. Alors, il y a de l'or, 500 balles quand même, hein. Une tu bourse de Milidou, 437 XP, et 500 balles. Eh, 437 XP, c'est sympa. Ah oui. Qu'est-ce qu'on en dit? Surtout qu'après, on va aller chercher le héros en or. Ah oui, faut juste aller chercher une statue. Ah oui, il y a un héros en or. Ah oui, tu veux que j'aille le chercher? C'est parti. Bah ouais, c'est toi qui... C'est à toi que ça va être. Non, ça va être pour Samel parce qu'il est en retard en XP, je pense, non? C'est quoi, il donne quoi ce héros en or? Concentration pleine et... Ça, un max de concentration du groupe. Ah, c'est trop bien. Faut qu'on aille se le chercher, mais ouais, du coup, Samel peut le prendre. Ouais. Moi, ce que je vais faire, bah, c'est les courses, hein. On va faire les courses. On va faire les courses, les garçons. C'est parti. On va acheter du rhum. Et surtout tu... Ah oui, service, ouais, bénédiction tout de suite, t'as raison. Je suis capable d'oublier. Voilà. Oh, y'a mon mousquet. Marché. Y'a ton mousquet. Le mousquet. Oh, y'a du rhum à acheter. Hein. Alors, y'a une dague qui se dise avec de la force, qui donne 4 de vitesse et qui fout droit. Alors, cette petite épée de choc électrique sur le coude, ça, quel plaisir. Ouais. Elle est quand même rigolote, hein. Attends. Bon, la hache embrasée, c'est pour de la finesse. Ah non, ma lame draconique. Ah, quoique la lame draconique. T'as la lance longue d'éclair qui est très rigolote aussi, mais qui est beaucoup trop faible. Et le grimoire des merveilles qui est encore plus fort que celui que j'ai actuellement. Et ben. Et qui surtout perce la résistance. Et qui peut faire des dégâts de groupe. Je peux protéger un allié. Cibler le groupe, attaque groupée. Ah oui, à cibler le groupe, attaque. Oui, je peux nous donner un bonus à l'attaque. Et je peux, transfert temporel, réinitialiser le tour d'un adversaire. On peut faire sauter des tours avec ça. C'est assez rigolo. Alors, l'épée de choc peut être intéressante. J'ai pas de bonus plus que. Je perds en vitesse. Avec cette épée. Avec l'épée d'éclair, tu veux dire? Ouais. Avec l'épée d'éclair, je perds un peu de vitesse. Parce que la lame draconique, elle est violente, hein. Elle donne 5 de vitesse. 5 de vitesse et elle ignore l'armure de base. Ouais, là, c'est ignorer l'armure, c'est en option, hein. Mais c'est 4D, hein. Elle est, en vrai, ton épée est mieux. Et je crois qu'elle fait moins de dégâts, l'épée d'éclair. Alors, en sachant que moi, je peux déjà taser des gens. 28, 23. Ouais, elle fait moins de dégâts. Je cherche pas, elle fait moins de dégâts.
puis moi je peux déjà taser les gens, donc en vrai tu peux réinitier. Pareil, tu vois, pareil, ce qui fait que je vais pas prendre le grimoire, c'est qu'en vrai ça me fait gagner 2 dégâts. Lol, super, c'est rigolo. Ça me permet d'ignorer les résistances, mais bon, tant pis, je tape sur les guerriers. C'est pas très gênant. Mais si tu vois, c'est pour avoir une option qui permet de réinitialiser les gens alors que toi tu le fais easy avec difficulté 3, font, oui. Ça n'a aucun intérêt. Tac tac tac. Ah, c'est vrai que j'aurais pu rigoler et mettre la cote de plate enchantée de nouveau. Il faudrait vraiment que j'arrive à trouver autre chose. Garde. Que mon cristal nébuleux. Attends, tu vois, déséquipé. Ouais, ok. Si j'arrive à trouver un truc un peu plus intéressant que le cristal nébuleux, ce sera intéressant. Cristal nébuleux. C'est quoi? C'est un collier qui... c'est le collier qui me donne 3 de vigilance. Ok, c'est un collier. Ouais. Non, mais c'est au marché nocturne. Hein. Faut vraiment qu'on arrive à trouver un marché nocturne. Ou trouver une breloque ou un collier. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, moi c'est parti. Vous venez de gagner un niveau. Yeah! Ensuite, envoyer des barbes de dieu par là, là. Ça va, t'en dépenses pas trop des barbes de dieu en ce moment? Non, ça va. Ça se passe bien. En vrai, on en dépense pas tant que ça. On en dépense 0 alors en ce moment. T'es en train de monter, t'es à 25. Là, depuis que j'ai une armure sur le dos et que t'as ton égide, on dépense plus rien en fait. En vrai, c'est godlike. C'est godlike. Faudrait trouver une épée qui fait pareil, mais en résistance. Bon, bah, je reste sur place. Bah, je vous laisse me TP. On n'a pas perdu d'argent. On est bien. Je crois que les gens. N'hésite pas à aller jusqu'au phare, parce que ça va révéler un bout de zone. Ça, on voit bien tout ce qui se passe dans Schnorr là. Bon, ça a été fait ça. J'ai récupéré du mouvement, pardon. Ouais, le phare te redonne un peu de move. Deux de move, je crois. Deux de mouvement. Pas mal. Voilà, et je voudrais aller faire un truc qui va peut-être m'engueuler si je le fais. Ouais. Aller explorer la... Kit. Ok. Kit. Rage kit, je m'en occupe. Hop. Comme ça, j'ai exploré toute l'île. Ramasser. Et j'attends. Ça va, je n'ai récupéré que 8 PV. J'ai mis chapeau du Vénard. Ouais, ouais, j'ai mis. C'est récupéré. C'est récupéré. Ah, ta mandoline. La mandoline. C'est parti. Go, oui. Mandoline. Lutte de fer en plus. Comme ça, c'est bien métal. Alors, oui, le mec, mais il fait pas de m'en filer un métal. Chapeau de sorcier. Mais franchement, vous déconnez, les mecs. Ah, bah non, c'est bien. Ah, je suis con. Est-ce que je suis con quand je le mets? Un campement de champions. Le chevalier de la mort. Bon, on va voir ce qu'il va, non? Embuscadère, on l'a récupéré le héros en or? Oui, oui, c'est bon. Oh, c'est un échec. Oh, je vais prendre un méchant coup sur le museau là. Oula, il y a de l'armure en face. Hein. J'ai mal, mais lui aussi. Parce que j'ai une tête très très dure. T'as dit que tu voulais que je garde le. Ouais, le celui vigueur. Du. De... Oui, bah, c'est préférable. Oh, il a passé un sale quart d'heure. Hein. Bon, les mecs ont une attaque, hein. Non, ils ont rien d'autre. Tu le tueras avec un dégât de zone, hein? Oui, tout à fait, oui. Je vais même les empêcher de nous étourdir. Hop. Il y en a un, ce sera jamais. Oh mon dieu. Euh...
je ferais bien un petit soin de groupe. T'en penses quoi? Non, on va les tuer là. Oui, mais justement, mon perso il a pas forcément besoin de taper. Ah oui, ouais, si tu veux, écoute, vas-y, claque une barbe de bois. Voilà, on est refait. Hop, lui, je le tue. Vas-y. Milieu, je tue. Hop, je te laisse taper celui à 20 terre. Ah, j'ai fait le coup unique, hein, tu comprendras. On tabasse un peu quand même, hein. Ouais, je crois qu'on tabasse quand même pas mal. Moins 4 en vitesse? Non. Ça n'a aucun intérêt. Ça aurait été très intéressant pour le bonus de force et d'armure en soi, puisque c'est la version guerrière ultime. Ouais, est-ce que tu peux switch à l'arc, s'il te plaît? Parce que j'ai envie de voir ce que tu donnes en commençant directement à jouer à l'arc. Je pense que t'es plus véloce. Et alors, donc, nous, il faut qu'on tourne là-haut. Mon arc ne donne pas de vitesse de vitesse, il donne de l'esquive, il donne 6 d'esquive et 10% de critique. D'accord, combat. Tu joues quand même en premier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, ça, vas-y, montre-nous tes talents. Alors, tu m'as dit que tu voulais... Oh, ça peut être drôle à faire. Alors, il est pas mal cet arc ? Est-ce qu'il est pas mal ? Il est pas mal. Et en plus, t'as vu, t'as pas besoin de te dire « Oh bah oui, il y a de l'armure, donc ça marchera pas. » Non, on s'en fout. On s'en fout de ton armure, mec. Bah, on va commencer par un choc électrique de masse le jour. Ouais. Voilà. Comme ça, ils peuvent pas faire perfect. On recommence ou pas, allez ? Ça marchera pas. Tant qu'ils ont pas joué, ça marche pas. Dommage. Bah, on va déjà en achever, hein. Bah, ouais, carrément. Hop. Oh, un casque à tes pieds. Oh. 46 de dégâts hein, quand même. Hein, j'ai noté. Alors que t'as pas fait un crit, hein. Officiellement t'es censé faire 37 de dégâts. Quoi? Bah t'es censé faire 37 de dégâts, t'as fait 44 sans faire un critique. Parce que ce sont des humanoïdes. Ah oui. Et des morts vivants. Ils ont la double pénalité. Ouais, ça, vas-y. Ouais, de toute façon, les deux meurent. Tu vois, tu fais 46 en perso alors qu'officiellement, tu es censé faire juste 37. Ils ont 20 d'armure. Oui, mais tu perces. Je rappelle donc finir l'armure, tu t'en fous. Mais je veux dire, tu es censé faire 37 et tu leur fais du 44. Ouais. Oh, grimoire de fer. Ouais, c'est rigolo. C'est pour renforcer le côté tank que j'ai perdu. Car oui, j'ai perdu mon côté tank. Je suis devenu quelqu'un de fragile. Vent violent. Ah, on a besoin d'argent, c'est ça? Ouais, complètement. Hein. Oh bah merde, je vais prendre une balle. Ah, j'ai perdu mon côté ninja. Je sens que j'ai tout perdu. J'ai fait que des mauvais choix dans ma vie. Et je pense que la mort vient me le dire. Sous forme de trois spectres. Enfin, trois ombres. L'ombre de Philippe, de Xavier, de Sam. Alors, par contre, je suis redevenu mage, justement. Ça, par contre, c'est un peu dommage pour vous. Ils sont immunisés à tout. C'est chiant. Ah oui, non, ils sont pas immunisés à l'eau, mais on n'a pas d'armes qui peut les bouiller. Ah, ça c'est bien. Ah oui, puis il y a déjà plus de poids de concentration, ouais. Oh, la consommation, quoi. J'ai quand même une chance sur deux d'esquiver, quand même. Léthargie. Ouais, t'es moins... Bah, tu perds de la vitesse. Ouais, génial. Les
Il y a combien de chances de coup critique maintenant? 37% sans de chance de coup critique. J'ai une chance sur 3 de faire un coup critique. Enfin, un peu plus. Et moi, 85% de l'essor, il passe jamais si je dépense pas de points. Hein. C'est. Je me suis permis de tester puisque j'ai vu que t'allais rien prendre. Enfin, que t'allais jouer derrière. Putain, je suis dégoûté. Pas de. Pas ouf. Bah, go aller au caillou. Où allons-nous? Au caillou enfin, ah oui, faut aller au caillou. De pierre. C'est toi qui as le plan, c'est ça? Oui, je peux te le filer. Ouais. Parfait. Parfait. Ce qu'on appelle communément un shinai. Non, j'ai pas. J'ai pas de plan, donc tu peux aller le récupérer. Toi-même. Ok. C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon un shinai. Exactement. C'est toi qui récupères un... On va te ramener. Ah putain, je te jure. En 5 jours, on est passé de péon à. Comment ça s'appelle Un péon légendaire doré. Péon légendaire doré. Non, ce serait. C'est mieux que ce soit toi qui récupère la récompense. Ah non, c'est de l'XP. Ça va. C'est de l'XP. Du coup, ce qui est dommage, c'est que Skip de Téton n'avait pas claqué tous ses points avant de passer un niveau. J'y ai pas pensé. Par contre, je vais me reposer là et je vais te demander de me filer un peu d'argent, s'il te plaît, pour que j'aille me prendre une bénédiction. Ah oui, je vais distribuer un peu de pognon. Pouf. Je sais pas c'est combien de bénédictions. Je te mets 1000 balles. Hein. Tu vas t'en sortir avec 1000 balles dans la vie ou pas? Je pense que oui. Voilà, tenez. Après, avec l'inflation. T'es pas très talentueux, quitte, je vais m'en occuper. Ah quoi que oui, t'es bourré de... Trop tard, je suis paré. Ouais non mais c'est pas grave, non mais vas-y, reviens, fais-le, claque tes points, fais-le. Et de toute façon, comme ça tu finiras sur une taverne, s'il faut. T'as de quoi te payer et une bénédiction et une taverne, hein. Pas de problème. Ouais, oui. Pareil pour Samael, hein, tu peux te payer et une bénédiction et une taverne. Enfin, tout ce qui va bien quoi. Ah bah vas-y, paye le 100%. Résultat inconnu. 200 balles. Voilà. Équipé. Voilà. Oui, tu peux aller vendre 3-4 merdes en plus au passage. Oui. Bah, c'était rentable hein. T'as déjà plus de thunes là que ce que je t'ai donné au départ. Alors que t'as déjà payé ta bénédiction. Oh, je rêve. Service. Parce que l'auberge c'est vraiment utile. Oui, ça va te faire récupérer 2 points et un peu de PV vite fait. On s'en fout, t'as fini ton tour. Samael il en a besoin. Ça te paraît de filer les 1000 balles qui restent à Samael. Et fin de l'histoire quoi. Le déluge j'approche. Oh mon dieu! Donc, n'oublie pas de filer la thune à Samael. Ouais, ouais. Ça m'a l'écho. Nous. Mais toi, on va. Toi, tu devrais peut-être te faire une petite auberge aussi, hein. Ah oui, faut qu'on aille se... Ouais, faut qu'on... Oui, bah je sais, mais il faut qu'on aille se taper, c'est vrai, les marais. C'était ça. Ouais. Ah oui, et on avait une grotte de pirates à droite, sur laquelle on va pouvoir aussi aller. C'est ça. Non, je laisse mon groupe là-dedans, là. Laisse mon groupe. Petit marché, quand même, hein, parce que d'abord, moi, j'ai des choses à vendre. Étonnamment. Ça étonne tout le monde, hein. C'est étonnant! Le marchand, quand il me voit, il dit j'ai plus d'or, madame, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix, parlez-vous. Quelqu'un d'autre. Je veux pas vous connaître. Je vais acheter exceptionnellement 2 parchemins de vision. Parce que ça va nous aider à voir dans les marais où sont les trucs. Parce que, tu sais, il y a le poison dans les marais, c'est chiant. Tout ça. Yes. Service. Redonnera tous vos PV et fera disparaître vos afflictions. Attends. Prends-toi déjà une méditation. Oui, une méditation. Ouais. C'est vrai qu'on peut se payer un peu tout ce qu'on veut. Et moi, je vais me payer un guérisseur plutôt qu'une auberge. Comme ça, j'ai tout mes PV. Oh. Oh. Et du coup, est-ce qu'on dit qu'on en a rien à foutre de Samael et on reprend la mer? Oh.
Samael, tu voulais te reposer? Au boulot, crevard. Non. Si. Qu'est-ce que c'est ça? Grand requin garou. Va mériter ta solde. Embuscade. J'ai retrouvé mon pouvoir des ninjas après une grande méditation. Si. Parce que c'est bien connu, tous les ninjas ils sont espagnols. Choc électrique sur le coude. Bon allez, ne jouez jamais les gars s'il vous plaît. Très généreux. Critique. Ok. Je vais juste leur faire une bague hein. Je pense qu'on peut aller leur taper un petit. On peut aller se taper un petit boss hein. T'en penses quoi? Pourquoi tu tues le mec à 2 PV? Ah je pensais que c'était le. Ah oui bon c'est pas grave, tu me diras on joue tous avant. Mais c'est parce qu'en fait c'est. Tu vois, au cas où toi t'arriverais pas à faire un parfait sur tes dés, quand t'arrives ouais, à faire un parfait et que tu le. Enfin, quand t'arrives à le tuer le mec, tu prends pas son renvoi de dégâts, parce qu'ils ont du renvoi de dégâts. Ouais. Et du coup, c'était plus intéressant que vu que toi t'es archer, tu tues par principe le mec qui fait du renvoi de dégâts qui a le plus de PV. Comme ça, l'autre, vu qu'il a que 2 PV, même si tu fais qu'un dé, bon bah voilà, tu le fumes max et tu prends pas ton retour de dégâts de flamme dans la bouche. Voilà, arc d'éclair. Poubelle. De la merde, 19 dégâts. C'est de la merde. Poubelle. Il a 2 dégâts de moins. Ah, mon bouclier du chaos. C'est pour moi, ça. Ça, c'est un bouclier de mage récupéré. En plus, oui, c'est un bouclier de mage. Alors, si je me trouve une petite épée de mage, hein, je te garantis, je la prends. C'est garanti. Ah, pas de vent. Pas de Zef, là. En ce moment, le vent, c'est pas ça. Alors, je vais faire un truc. Tu vas peut-être m'engueuler. Mais non, j'engueule jamais les gens pour ça. Et par contre, là où je peux t'engueuler, c'est que tant qu'à faire, t'aurais pu rester sur place et récupérer 2 PV. Puisqu'il te restait 2 mouvements. Bah oui. Eh oui, c'est toujours ça de prix. It's true. Alors, savoir qu'on a un billet pour la foire et je vois qu'il y a une foire à droite. Hein. À savoir. Ouais, c'est là qu'on va donc. Ah, il y a un marché nocturne, mais on l'aura jamais. On va encore passer à côté. Ah, quoique, non, on peut hein. Ah non, trop chaud. Ouais, faudrait que j'ai une quantité de mouvement monstrueux. J'ai ouais, encore le chapeau du Vénard. Ouais. Yes. Ah oui, tu l'as jamais équipé. T'as dit que tu le vendrais en jamais. En même temps, là, il vaut 20 pièces d'or, mec. J'ai tellement rentabilisé, ça sert à rien. Donc je le garde. Alors, le niveau suivant, le soin total du groupe, on s'en fout un peu. Un bonus au total de vie de la mort. Ah, ça c'est rigolo. Ça, là on joue là. Là on joue ou pas? Vas-y. On joue. Allez. Ça. Ah ben ouais. Oh, putain, y a pas eu mort de groupe, ça aurait été moi ça. Dommage ma gueule. Équipé, voilà. Allez, on retourne au boulot. Alors, si, tu vois on l'a. Putain, il bourre. On l'a. J'avais dit qu'on l'avait hein. Ah, une carte au trésor, 2 crochets. Alors, la corne nulle, toi c'est un collier que tu dois remplacer par une babiole, c'est ça? Ouais. Il y a la lame des enfers pour ceux qui aiment l'humour. Le lutte la divin, la girouette. La lame démoniaque, tu veux dire? Oui, la lame démoniaque, excuse-moi. Ouais, mais c'est une arme à deux mains. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui aiment l'humour, c'est ce que je dis. voilà. Bah, c'est à peu près tout, hein. Tout ce qu'on a à dire. Petit coffre, s'il vous plaît. Petit coffre. Oh, il y a même une ville où on n'est jamais allé. Ouais, cric argent. Ouais, je vois ça. Pouf pouf. Qu'est-ce que. On va où nous déjà? Je vois plus où est-ce qu'il est l'autre jour. Ah, c'est encore plus à droite. Ouais. Peut-être aller chercher le coffre à vendre. Oui, on va aller chercher le coffre. Après, on ne sait pas trop quand on reviendra dans le coin. Ramasser dans le coup. Ouais. D'ailleurs, remettre mon chapeau du Vénard, très important. Je me sens que je vais aller me faire un coffre. Oh, une bouteille à la mer. Oh là là, mais cette vision, ce mec a une tête dans un sac et il voit tellement bien. Ça n'a pas de sens. Mais les gars, depuis quand? Alors que le guerrier a essayé, je me dis, moi j'ai ma boîte de conserve sur la tête, je vois rien. Ah, plus de parchemin de vision. Mais non,
C'était à moi de le faire. Je suis con. T'es un connard, quitté, casse-toi. Bah voilà, on a perdu le coffre. Chef. Désolé. Bah, on t'excusera jamais pour ça. Alors, je peux t'excuser. Là, tu vois, à droite. Oh, bah d'accord, je peux pas t'excuser en fait. Je peux rien faire pour toi. Non. À droite, il y avait quoi? Il y avait un marché nocturne. Il y avait un marché nocturne. Que l'on peut aller chercher encore. Je peux aller chercher encore. 300 pièces. Merci monsieur. Carte au trésor. Pantin me l'a soulevé celle-là. J'ai une amulette des âmes pour toi. C'est acheté. Ça fait quoi? Je cherche pas, c'est acheté. Je pose pas de questions, mec. C'est juste acheté. Un bouclier miroir, un d'armure de résistance, 6 de renvoi de dégâts. C'est très très rigolo. Il y a une couronne royale. C'est très très une rigolo. Couronne de princesse qui est peut-être plus intéressant que ton chapeau du vénard. Du coup. Il est mieux! Oui, il est mieux, ouais. Immunité à malédiction, compétence inspiration en plus. Elle est très bien. Même la couronne liche est cool. Ah oui, la couronne liche est cool. Ça peut me remplacer mon chapeau de mage. Et immunité ouais, à la mac mortelle. Et ça te rajoute surtout 5 d'intel et 2 dégâts. Alors attends, je vais juste switch mon chapeau là. Est-ce que je peux juste équiper celui-là pour avoir la comparaison entre les deux? Je perds beaucoup de résistance, parce que par contre le chapeau donne 8 de résistance. Je perds 1 de concentration et l'immunité à la confusion. Par contre, donne encore plus d'intelligence. Bon, j'ai pas besoin d'intelligence. Plus d'XP, on croche jamais dessus. 2 dégâts d'attaque, on croche jamais dessus. 1 de résistance, 1 d'armure. Là, je sais pas, hein. C'est pas... Eh, attends, si tu mets ça, combien tu, t'as combien d'intelligence avec ton chapeau? Actuellement, j'ai 95, je suis au max. Oui, non, mais t'as combien d'intelligence avec ton chapeau? Combien te donne ton chapeau? 4. Parce que je sais pas si du coup remettre ta grosse armure qui te donnerait résistance et Ah oui, mais je l'ai vendu. Ah merde. Bon. Ouais, ça m'aurait permis d'atteindre les. Je descendais à 92 ou en intel, je crois. Je sais pas. Bah là, de toute façon, on va voir si j'enlève le chapal. Si je déséquipe mon chapal. Donc je suis en 100 chapal, je suis à 93. Ah oui, j'ai déjà beaucoup trop d'intelligence en fait de base. De base, ouais. Ah ouais. Donc tu seras à 94 avec ce chapeau là et l'armure, je sais pas. J'ai presque envie de dire, j'ai pas besoin de plus d'intelligence quasiment. Ah oui, mais les vaisseaux ils sont tellement chiants à sortir qu'il faut que j'ai 95 en maxé tout le temps. Il faut que je sois à 95 en fait, c'est obligatoire dans tous les cas. Mais je m'assois sur de la résistance et 8 de résistance, c'est beau. C'est beau. Ouais, du coup, moi je reste comme ça. Par contre, regarde, je vais t'envoyer une petite amulette, hein. Discrète. Hein. Mm-hmm. Une amulette, je te l'envoie là. Attends, je suis si loin, je peux pas te l'envoyer? Bah oui, ah, je te regarde, loin, je peux pas te l'envoyer. Bouclier du chaos, alors, j'ai presque envie de le garder. Je vais garder le bouclier du chaos. Hein. Parce qu'au cas où je trouverais une petite dague de mage là, tac, pour mettre des petits coups de couteau là dans le dos des gens. Parce qu'on en a, hein. On a des dagues de mage, hein. Ça existe. Mais ça pourquoi existe, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu tout ça là? Voilà, ça s'est vu maintenant? Ouais, ça, c'est quoi la zone de départ ça. C'est la zone on de sait départ, jamais ce que l'on peut trouver dans la nature. Il y a le foyer de l'aventurier. Oui, mais c'est la zone de départ. Mais alors ça. Pourquoi ça a été recouvert? Parce que moi je vois des nuages à la place. Eh oui, moi aussi. C'est chiant. Ouais. Je peux pas le lancer ici là mon sort? Je peux le lancer là mon sort? Ah ouais? Attends, je peux faire ça? Mais tellement? Tu sais où? Château de Vaker. C'est où? Tout au sud, c'est les marais. Je suis en train d'éclairer les marais là. En fait, je suis juste en train d'éclairer les marais. Trouvez le temple! Et trouvez le temple de l'eau! GG! Voilà, je vous ai fait gagner du temps. On sait où aller maintenant faire Rushby sous Cablier 2. Alors pour le fun, je vais me déplacer jusqu'à toi. Comme ça, tu me diras oui, non, ça me plaît pas, blablabla, c'est de la merde. Alors je clique et mon coffre. Alors, s'il y en a qui prend mon coffre, hein, je le soulève. Ok, compris? Yes! Ah, bon, on est d'accord ou pas? Ok. Ok, bro. Tiens, voilà, ça c'est une amulette. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi vite fait si tu prends ou tu prends pas. Ah, tu me l'as donné sur le. Okay. Sur le guerrier? C'est le guerrier que tu voulais changer ou Samael?
Amael. Mais le guerrier, ça peut être intéressant. Mais ça pour peut être Samael aussi. Dans les deux cas, ça peut être très intéressant parce que ça change mon... ça enlève mon mon Usek élémentaire. Ah ouais, non, mais c'est carrément pour Samael, ça. Oh, ya ya. Ouais. Pas Samael, je sais pas ce qu'il a. Il y avait quoi? Un truc qui donne 3 de vigilance. Donne-lui. Ouais. Et qu'ils le mettent, par contre, faut que tu restes à 95 une fois que t'as enlevé tes... ton truc de 3 de vigilance. Tu es à 92. Après, c'est toi qui vois, hein, mais 92, tu vas voir, tes pourcentages de chance ils vont tomber. Enfin, c'est chiant quoi. Après, c'est toi qui vois. Parce que là, c'est quand même trop bien de pas rater nos attaques. Alors, idéalement. Idéalement. Je changerais peut-être les jambières d'enfer. Des enfers. Pour des bottes. Ouais, de, pour des qui donnent de la vigilance. Yes. Parce que ça me ferait enlever 2 points de dégâts. Je suis quand même à 42. Donc ça ferait 40 points de dégâts. Après, sinon, tu peux le mettre sur, sur ton moine. Parce qu'en vrai, le moine, officiellement, là, quand on regarde la barre en bas, hein, c'est juste de l'officiel, on est d'accord. Parce qu'on sait très bien que tu caches des, tu caches quelques petites spécialités dans ta manche. Mais il est déjà à 45. Officiellement, c'est le moins de notre DPS. Hein. Oui. Mais c'est du coup critique qui donne l'amulette que je t'ai donnée, je crois, je sais plus. Ouais, ouais, elle donne des critiques. Ouais, il faut. Bah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que tu la mettes. C'est intéressant que tu te la mettes, en vrai. Et oui, il faudra, faudra peut-être changer tes bottes. Ouais. Mon chapeau. Mais le chapeau, non, trop intéressant. Trop de, tu donnes aussi de la chance de coup critique, je crois. 10% de chance de coup critique et 25% de dégâts contre les morts vivants et 10 de vitalité. Et limiter la marque mortelle. Surtout. Bon, je remets le cristal nébuleux pour le moment. Et je mettrai le... Ouais. Ok, bon bah quoi qu'il en soit, moi j'ai terminé mon tour. Ok. Ramassage du crew. Et puis bah toi tu vas rester là. Par contre, toujours pas de bonbons en fait. Hein. Ouais, toujours pas, hein, les dégâts magiques. Eh mais... Il est encore ouvert ce marché là? Ah ça y est, le marché nocturne vient de se fermer. Le marché du bas... c'était... Non, c'était... Ah merde, j'ai oublié de mettre mon chapeau de vénère. Attends, dommage. On n'aura pas le bonus de thune. Désolé. C'est équipé en fait. C'est énorme. Bah il faut qu'on aille plein sud, je crois. Ah non, il faut d'abord qu'on aille à droite. Ouais, le repère de pirate. Ouais. Pirate. Pirate. Alors là, t'as des petites esquives à faire. Alors, ouais, c'est pas grave, hein. Si t'apprends un combat, c'est pas grave. Avec la perte de contrôle du navire. Oh, même pas! Je vais m'arrêter là. Comme ça, si on perd le contrôle, on n'ira pas. Oh! Du stuff! J'arrive tout de suite! Il me reste des thunes. Bonjour, monsieur le marchand. Non, cassez-vous. Je vous connais. Une bocle dorée. Oh, elle est cool, celle-là. C'est, bah, c'est pour, c'est pour Samael, quoi. Quand tu joues avec une lance à une main. Un casque à cornes. Un chapeau d'assassin, là. Le capuchon d'assassin. Chapeau de rêve. Oh, l'armure des enfers. Ah oui, l'armure des enfers. Ah ouais. L'armure des enfers. L'armure des enfers, mec. Ah, ouais. Ça te parle ou pas? Attends, il a quoi Et ça, c'est bon pour tout le monde, hein. Ça, c'est... ça, c'est du gavage pour tout, ça. Je perds 5... Je perds 5 de force, mec. 5 de force. Ouais, mais t'es à combien? Je veux dire, sans ça. Sans ton armure. Déséquipé. Je suis à 90. Ouais, tu perds 5 purs, quoi. Ouais.
Après, ton arme, toi, elle est pas très difficile à manier et je crois que t'as pas beaucoup de difficultés pour la manier. C'est vrai. C'est vrai. Je peux te la donner, tu peux la tester, écoute. Teste-la, hein. Teste-la, mais par contre, je te préviens, la tester, c'est très probablement l'adopter. Hein. Ça rend un peu dépendant. Ouah, je passe à 51 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Il manque plus que le casque. Et il y a du pourcentage de coups critiques et il y a tout ce qu'il faut dedans pour faire un moment. Ouais. Ouais, il faudrait un... Là, tu vois, ce que je chercherais, ce serait un maître d'armes. Enfin, pas un maître d'armes, hein. Ouais, un... C'est le formateur. Ah oui. Le gars alors, qui lui, c'est... Alors attends, avant de nous envoyer, je voulais envoyer une racine dorée au mec des enfers là. Comme ça, ça vous en fait 3 chacun. Ok. Voilà. Donc tu peux nous y envoyer si tu veux. Je le veux. Désolé, je te laisse pas ton milieu, mais lui, non. Je le garde pas. Ah, c'est... Tata, t'en débarrasser très vite. Le Panax suffit Panax, ou pas? Panax, ouais. Ouais. Ok. Ouais, je suis quand même à 90% de jeu. Et du coup, tu vois, ça fait des ratés maintenant. Ouais. C'est terrible, hein. Terrible. Ouah. Je suis dégoûté. Ouais, ça fait des trop gros ratés. Je pense que je vais changer. Putain, sur 90% de 90% c'est 0%. Ouais, moi donc hein. Moi, tous mes sorts complexes là que j'envoie, ils sont à 85% et je les rate tous. Hein. Il a un peu bugué, je crois. Ah, par contre, quand ça tape, ça tape pas. Hein. Je vais tester sur tout le donjon, je pense. Ça m'aille. Alors, ça m'aille. Voilà. Lui, il en aura eu des bonbons, hein. Ouais. Je vais juste faire un petit truc, je vais enlever mon nu sec. Mmh. Et je vais mettre l'amulette des hommes en attendant. Histoire de maximiser encore plus les dégâts sur lui. Voir ce que ça donne. Il a autant de régène de vie, c'est quoi qui lui donne autant? L'armure des enfers? J'en sais rien moi. Déjà ton sang ah oui. De régénération. 6 de régène. Ouais. 6 de régénération de Oh putain d'accord. Ouais non mais ah, c'est une armure de sac hein. Tu louches un peu quand t'as ça comme armure mais avec le casque ouais. Et tout tu... Oui. Mais oui c'est du bon stuff. Pensons au PV des copains. Enfin, pas pour l'un, il y en a un qui s'en bat les couilles, mais. J'espère d'ailleurs que dans le DLC, nous ferons le bouclier et l'épée et l'arc des enfers, enfin tout le stuff des enfers, quoi. Parce qu'actuellement, il n'y a que l'armure. Bah, ouais. On est prêt, hein. On est prêt. J'ai cru que t'allais me claquer une bourse de Mimidou. Le blob! Tout le monde est d'accord? Le blob? Ouais. Après, tu peux ralentir tout le monde, c'est vrai que. Ah oui, c'est ce que j'allais faire. Déjà, deux bases. Hop! Et comme ça, le blob il joue dedans longtemps. Ah, par contre, celle-là elle a toujours 100% de réussite. D'attaque. De quoi? J'ai une attaque qui met du 41 de dégâts mais qui est à 100%. Et j'ai une attaque qui est à 55 de dégâts avec où j'ignore l'armure
et 90% de réussite. Ouais. Cool. Oui. Oui. 55. Il y a deux qui sont mis au choix. Ouais, c'est incroyable. Ah, super. Hein. Ouais, bah ça tape tout le monde à 20, ouais. Ok, d'accord, s'il y a un critique en plus. D'accord. Bah je vais taper celui-là parce que toi tu le tapes pas très fort, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais rien. Je tape à 100% donc je fais cette attaque là. En vrai, puisque l'attaque est à 100%, je pense que je vais maxer celle-là et quand je me confronte à un guerrier, je vais taper avec la perf armure. Hein. Je pense que c'est le mieux. Ah, l'immunité contre l'acide, par contre, là je dis pas. Là je dis peut-être pas. Pas désintéressant. Non, c'est clair. Mais bon. Mais on est capable de les tuer assez rapidement, les mecs qui font l'acide maintenant. On est surtout capable de tous les retarder et de les empêcher de te faire un perfect, tu vois. Qui que ce soit, ouais. Qui joue, on est capable maintenant de les tuer. Ah putain, trois chiants de base. Là je les rouge. Triple poison, ça chauffe qui? Alors je vais mettre le point pour être sûr de ralentir tout le monde, comme ça la clé rouge elle joue dans une plombasse. Hop. Je vais mettre un point parce que je passe beaucoup et ça me donne un petit critique en plus. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Bon bah du coup. J'allais dire du coup on n'a pas besoin de taper elle. Ah par contre ouais j'ai perdu beaucoup en dégâts par rapport au... Au fusil. Hein. Ah bah c'est sûr, hein, le fusil en termes de dégâts c'est lui. Ouais. On va éviter de se foirer. Hein. 41. Et puis maintenant, bah, plus qu'à. Hein. Lui il est immunisé à tout, c'est chiant. Hein. Ouais. Je peux faire ça en vrai. Ça tape les deux. Tue d'abord le fantôme. Pardon. Ce qui peut te maudire, l'autre elle avait le choc électrique. Et oui. Le fantôme faut faire des parfaits pour le toucher. Ah. D'accord. Bon, c'est fait. 103 d'XP. Eh ben, mon salaud. Bah oui, je te rappelle que j'ai plus 25% au multiplicateur d'XP. Ah ouais. Grâce au temple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un aventurier mort. Pillé. Pillons-le. Ah, la banane. Le mec n'avait jamais joué à Mario Kart. C'est dommage, tiens. C'est pas pour moi, ça, pour une fois. Je régène 8 PV par 8 PV, c'est un truc de fou. Et t'as mangé une panax. Ça va, on a de la chance. T'as juste mangé une panax. Ouais. Je l'ai un peu mauvaise en vrai. Ouais, je veux bien te croire. Ah
Ouais. Ah, ça c'est cool. Si t'as envie de t'amuser un peu. Moins bien. Moins bien, carrément, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Nous avons le papier du bateau pirate. Oh. J'ai bien envie d'aller tester. Bah écoute. Qu'est-ce qu'il a? C'est moi qui l'ai? Je ne sais pas. Non, c'est toi qui dois l'avoir. Ah non, papier du bateau pirate, c'est moi qui l'ai. Il y a un truc juste à côté. Oh, il est fat! Ouais, je crois qu'on va le prendre. Hop, service, récupérer le navire, celui-là. Ah, il est trop loin. Ok, alors attendez, faut que je fasse une manip. Hein. J'arrive les enfants. J'ai pas besoin de ramasser le groupe. Le groupe, on s'en fout. De toute façon, il y a que des connards dans ce groupe. T'en fais partie du groupe. Qu'est-ce que tu dis? Il y a que des connards dans le groupe. Il y a que des connards dans le groupe. Récupération du bateau. Récupération de ce bateau-là. Le pirate. Vendage de ce bateau. Vendre les marchandises. Type de réparation de navire, si jamais. Ouais. Je vais en garder un sur moi d'ailleurs, pour le boss au cas où. Yes. Au cas où toi, c'est plus intéressant que t'ailles taper dessus, tu vois. Je vends ça. Je vends ça. Bah du coup, ce sera intéressant que chacun en ait un en vrai. Puisque c'est un item. Oui, oui mais bon, ça va, clairement, il va taper tout le temps. Oui, non mais... c'est de taper tout le temps. Le kit de réparation, le but, c'est un item. Oui, mais ça te bouffe une action entière. Ah, ok. Je crois, hein. Je te dis pas de bêtises de mémoire, je crois que c'est ça. Je sais pas, puisque c'est dans la barbe des utilisables, ça doit pas... Oui, mais t'en as certains qui bouffent tout, genre moi si j'utilise l'orbe de foudre, ça bouffe tout mon tour. D'accord, je savais pas. Alors, ramassons les connards. Et puis on va aller... Ah, on a une chanteuse aussi à tuer, là. Ah oui, tout en bas à gauche. Va falloir qu'on la tue aussi avant d'aller se faire le boss. Hein. Oh. Cool. Ouais, si t'es ultra chanceux. Non, vas-y, t'es ultra chanceux. Vas-y, j'y crois à mort. Au pire, on se fait un Kraken. Ouais, 200 balles. J'avais dit que t'étais ultra chanceux. D'ailleurs, on trouve des trucs dans les filets. Hein. Intéressant, ça. Ouais, même pas un petit poisson. Alors, on l'a dégoûté. Ouais, le mousquet, je vais... Je pense que je vais quand même faire un tour avec... avec sur le boss. Merde. Ça, donner, ça, donner, et puis ouais. Tiens. Ça me casse les couilles ce truc. Ah ouais. Bon. Heureusement, je peux leur mettre des chocs électriques. Ça devrait bien se passer. Ouais, mais faut quand même que je les empêche de nous manger notre stuff. Parce que ça a quand même beaucoup de PV. Hein. Oui. Même si vous transpercez, ça a quand même beaucoup de PV. Donc du coup, je vais cramer une racine. 95%. Putain, 95% quoi. Vas-y, mais fais-le ton coup critique, putain. Ah, discipline. Est-ce que ça rend aux deux? Ah non, ça rend qu'à lui. Ok, c'est dommage. Bon, 100% là, c'est bon. Comment ça? Ah, ça faisait pas assez de dégâts. Mais il a 22, je fais 23 normalement. Fléau d'RP. Ça va, il a mangé. Qu'il mange ce qu'il y a dans l'inventaire, ça va quoi. Attends, moi, ce qui me dégoûte, c'est que. Attends, il est en train de me dire, je fais même pas assez de dégâts pour le. C'est quoi l'histoire de mon bâton là? Ah oui, c'est du 21. Ah bah super, j'ai rien dit. Trop faible. Ha 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 ha!
Tiens, tu es devenue une princesse. Donc je suis princesse mage guerrier des enfers. Ça me va. C'est ça, une princesse des enfers. Tiens. Ça, on pourrait l'utiliser en vrai, hein, les orties d'encens. Ouais, mais personne pense à s'en servir au bon moment, donc faut pas avoir la benne. Non, mais là, pour se déplacer sur la map, je veux dire. Ah oui. C'est vrai. Bah, 79%, 100% ça. Voilà. 70 points d'XP, toujours agréable. Exactement. Et je régène plus en faisant tout le déplacement et en. C'est la bosse. Ah, 200. 4 de talent. 4 de talent. Un saut! Ah, mais il y avait un donjon. T'es obligé d'y aller. Oui, non. Ah, je vais juste regarder un truc vite fait. Ok. Ça va, c'était la marque mortelle sur ma gueule. Ce truc là, hein, on est d'accord? Bah, si tu peux le one shot, oui. Apparemment. De PV, coup de baïonnette. La flèche en pleine gueule, en plein cœur et... dans le cul. Lulu. Exactement. On en parle du perso qui est en train de régénérer sa vie dans un donjon ou pas? Tranquillement. C'est ça que t'as oublié de préciser, c'est tranquillement. Ouais, en ouais. Plus, les mobs aiment pas trop le taper, donc tranquillement. Et tu vois, j'aurais eu un forgeron ou un bûcheron. Mm-hmm. Et ben, j'aurais pas eu de problème là. On s'est ratissé 485 pièces d'or. J'espère que vous avez entendu, monsieur. Ça l'a même pas ralenti, hein. Ça ne l'a même pas ralenti. Ça ralentit tous les autres, mais pas lui. Ce jeu qui est dégueulasse. Si je l'ai ralenti, je crois. Là, ça l'a ralenti, oui. Il jouera pas tout de suite. Un petit peu. Lui, il est immunisé, c'est chiant, mais vas-y, on va partir. On va partir sur des attaques de base un peu. Yeah. Esquive! Même si on s'en foutait, on est tous immunisés au feu, hein, grâce au battant. Ça. J'aime pas me prendre des attaques gratos comme ça, donc toi tu dégages. N'importe, tiens, envoie un peu de givre. Oh, voilà. La tête, elle a volé vachement loin par contre. Je sais pas si t'as vu. Moi sa tête, non. Elle a pas volé. Moi, elle est partie. Bon, bah, t'es content, t'as récupéré tout ton pognon. Oui, bah, dommage, j'ai pas pu faire du pognon sur mon pognon. Le mec, en fait, il a réussi à nous voler plus que ce qu'on avait. Bon, bah. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Putain, ils sont 6 de dégâts. Ah, ça picote un peu. Et t'as pas le casque. Le casque, je crois que c'est plus 4 au dégâts et plus 4 en mode dégâts, un truc comme ça, je crois. Ah ouais, ils sont. Alors, je peux l'OS lui. Bah, vas-y, hein, te gêne pas. Après, faut faire le bloc purulent, parce que je rappelle, il fait de l'acide. Hein. Ouais, mais étant donné que on est quand même 3
Alors, il pourra pas normalement nous aciduler. Voilà, il peut pas nous aciduler. Et lui, il peut plus pas faire perfect. Voilà, c'est ça. Lui, tu peux rien voler, il peut rien faire. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de dire. Hein? Ah! Et il a disparu, dans les méandres de l'infini. Adieu. L'humain, ça vole pas bien, quand même. Hein. Vivement qu'on retrouve des merlings. Hein. Ouais, leur pénétration dans l'air. Hein. Grand bâton d'éclair. Ça doit être leur nouveau casque. Il me revient encore. Ça doit être leur nouveau casque. Mais l'atterrissage, j'ai toujours un peu dur. C'est ça. Pour esquive de téton, faut que tu lui enfiles. Ouais. D'ailleurs, je peux peut-être t'en refiler une aussi, Panax. Attends, bouge pas, je vais t'en refiler une. Hein, parce que j'en ai un peu plus, j'ai un peu de réserve. Touk. Pour une Panax. Yes. Et je pense qu'avant le boss, allez nous taper un petit. Oh, joli coffre. Yes. Un petit repos. Ouais, on se prend une petite auberge. À la belle étoile. À la belle étoile, évidemment. Évidemment. Par contre, 48 balles, c'est quoi cette croquerie? On veut plus. Oh, un truc inutile. Alors, sinon, au lieu de se taper une auberge, on pourra aussi se taper une tente. Parce que je rappelle, je peux planter une tente et dormir dans... Et ça nous fait récupérer comme une auberge, et des points de vie, et des points de concentration. On peut poser une tente en mer? Alors, non, mais on peut se trouver une côte pas très loin du boss. Ça, ça marche. Ouais, c'est vrai. Faudra juste faire gaffe aux herbes. Attends, non, je confonds. C'est avec ce genre de réflexion qu'on sait que t'es un guerrier et moi un magicien. Attends, il est où le temple de l'eau? Alors, la force c'est pas mon truc, donc on va pas pouvoir l'éviter, on va se le prendre. Voilà. On a perdu tout le pognon. Ah mais genre tout le pognon quoi. Genre, vous étiez riche, bah c'était avant. Pardon, et la perle hein. Et en plus ça il a gobé la perle hein. Le jeu qui s'est fait trop plaisir. Ah ouais non mais un plaisir mais monstrueux hein. C'est régalé, elle fait vous êtes blindé? Bah maintenant vous êtes fauché. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Faut aller où là? Vers la chanteuse. Et le temple de l'eau en bas à gauche. En fait, la deuxième île de marée tout en bas à gauche. Vers les volcans là. On va vers là. Et en plus, normalement, si ça se goupille bien, après le temple de l'eau, on va pouvoir se faire le marché nocturne qui est en haute mer là. D'accord. Esquive de téton quoi. Compliqué les mouvements en mer. Hein. Naviguer c'est chaud. Hein. Ouais, il faut du talent. Alors que les guerriers, mages, chasseurs, assassins des enfers, princesses et chasseurs de trésors font d'excellents marins évidemment. Ouais, t'as que 5 de déplacement. Hein. Toi, gamin. Ouais, c'est parce qu'on a la pluie, on a l'effet négatif de la pluie. On ne t'aime pas. Ah, par contre, ça nous aide beaucoup. Du coup, tu fais le tour. Je vais encore à gauche. Ouais, fais le tour. Parce qu'on se déplace plus vite en mer que sur terre. Ouais. Malgré la chanteuse. Oh, pardon. J'avais pas passé le tour. Tu veux planter une tente juste avant d'y aller. Ou aller chercher le point d'interrogation, te connaissant. Allez. Alors, il est où mon petit chapeau? Attends, on se tape un 18. Il est fat. Oh là là. Je vais claquer un point. Yahoo! Oh. Il est très beau, mais ce sera non. Ah non, mais tu pourras le garder pour si jamais tu le trouves dans une foire. Je veux dire.
Moi, je vais commencer par méditer. Méditation pleine. En deux tours, on est retapé. Hein. Intégralement. Lui, il va se taper aussi une méditation. On va tous se taper une méditation, mec. Lui, il va se taper que la méditation. Non, lui, se barre pas. Je me casse. On a rien à foutre de vos méditations de con. Moi, j'ai pas besoin de dormir. Je suis un guerrier. Moi, je récupère quand on me tape dessus. Ouais. 12 PV, le mec, qui sont. Donc, ah, le pêcheur sympathique. Ouais, il répare le bateau, on n'a pas besoin. Non, non, il répare le bateau. Ouais, mais justement, il rajoute des trucs dessus, sur le bateau. Là, on a réussi à excéder le 14 qu'il y avait de base. On est à 18 maintenant. Ah, tu penses que... Regarde. Ah, oui. Oui, ah, oui. Donc, tu mets tout ton truc de chance, là. Tu mets c'est parti. Même la petite amulette. Ouais, ça arrive. Crève ta 4 feuilles. Boum. Voilà, tu vas le voir. Oh, je laisse mon coup, j'abandonne mes gars. Et là, 22. Ah ouais, trop fat. Très fort. Mais trop fat. Putain, par contre, je passe ça pour revenir ici. Tu dois je vais faire un repos. Hop, parce que le repos te redonne aussi des points de concentration. Comme une auberge. Non mais c'est craqué hein, la bourse de base. C'est craqué. Ça peut juste pas pareil, tu fais ton repos et puis le guerrier nous rentre en donjon et on est bon. Le repos. Et d'ailleurs, ça me permettra de voir si elle disparaît ou quand elle ressort, est-ce qu'elle sera encore là, la tente. Est-ce que ça aura suspendu les tours restants ou est-ce qu'ils se seront écoulés. Entrer dans le temple de l'eau. Par contre, un bateau à 22 PV. Wow. Non, on est bien. Hein. Là, franchement, si le boss nous le coule, dégoûté. Hein. Dégoûté de ma vie. Hein. Ah, Farfadet, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. On avait presque fini pour oublier leur existence. Attends, mais ils sont niveau... Attends. Ils sont niveau... Oui, bah oui. Ah bah là, en même temps, on a un peu surfarmé avant de trouver le truc. On est un peu passé à côté quand on était nul. Désolé, on vous a un peu squeezé, on avait oublié que vous étiez là. Alors, voyons voir si le Merling... vole bien. Oh, c'est quoi ces merlings nuls? Non mais c'est parce, c'est parce qu'ils avaient un niveau trop bas. D'accord. Oui. Ils volent moins bien. Ils ont pas appris à bien shooter en fait. Non, ils ont pas le... Oh, donne-moi la thune. Donne-moi la thune, j'ai oublié de changer de stuff. Donne-moi la thune. Ils ont pas... Oh. Ils ont pas appris à... Ils ont pas les nouveaux casques de... C'est ça. Leur pénétration dans l'air. Alors par contre je vais peut-être changer de stuff parce que bon là c'est mignon mais c'est peut-être pour ça que j'arrive même pas à... T'es à 93 même comme ça. Oui, je suis à 93 et j'arrive pas à faire des perfects, c'est dégueulasse ou pas? On en parle? Genre sur 3 pauvres dés sans difficulté j'arrive pas à faire des perfects. A la limite je peux... Ah oui merde j'ai perdu ma gemme de concentration. Ah oui non il faut que je la remette. Faut que je la remette, putain j'ai perdu 2 points là. Et puis bon je vais quand même remettre le chapeau de sorcier. Ou alors hein, vraiment si on est taquin. Allez, on est taquin. On est taquin. Je viens libérer, délivrer cet endroit. J'ai perdu Shidai. Allô? Ah, on l'a perdu. Ah, c'est fini. Il a Rashkin. Tu veux que le voleur te vole ou pas? Ah bah oui, carrément. Oui. Non, je crois qu'il va mourir en fait. Oui, parce que j'ai que de l'offensif. Oh, par contre, lui, ce petit glissé dérapé, en allongé couché, alors là, moi je mets 10. Il a appris à bien glisser. Du pognon! En plus, ça fait plaisir parce qu'on avait vraiment plus de thunes, même si là on n'avait pas grand chose. Ah si, du coup, Samael, heureusement, avait 200 balles en réserve. Je veux bien les 200 balles de Samael, tant qu'à se faire mourir. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi il a... Parce que tu les avais trouvés dans un filet de pêche. Oui, c'est vrai. Ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. T'as pas trouvé de poisson, mais le mec est arrivé. Bon, ah, désolé, j'ai pas trouvé de poisson, mais j'ai trouvé 15 kilos d'or. Ça passe ou pas? Alors, c'est moi le spécialiste, normalement. Ouais. Ouf.
cette concentration totale que t'as, sérieux, c'est incroyable. C'est beau, hein. Et j'ai pas mon chapeau de mage. Ouais. Il me manque un point. D'ailleurs, je vais le remettre, parce que je vais passer un niveau là. Donc, je vais le remettre. Ouais. Ah, et après ce donjon là... Du coup, moi, j'ai encore. Ouais, ça une... Ouais, comme ça on se garde la sirène et le boss final pour le prochain épisode. Ouais. Ouais. La sorcière. Je te laisse faire voler le... Surtout que cette connasse elle joue avant. Ah mais l'autre elle est tellement crasseuse, t'as vu, elle a collé au plancher, alors même pas elle vole. Déçu. Oui, oui, lui il a appris la technique, il est même devenu un buisson, un nénuphar. C'était son prénom, nénuphar. Il connaît la technique du buisson. Ah bah voilà, t'as des bottes. Des bottes d'aventurier. Que tu... Putain, je l'ai passé. Bah attends, je vais les prendre. Et je les passerai. Du coup tu les as, ce qui te permet de mettre le... Le super collier. Le super collier qui déchire. Je crois que je te l'ai filé à toi sans faire exprès. Je crois que j'ai filé un truc. Non, moi tu m'as filé une plate royale. Je savais même pas que t'avais une plate royale en réserve, mec. Ah, si, à la place de. Équipé. Mec, a rien compris. Ouais, j'ai besoin de points de concentration. Je fais tellement le con que j'oublie de rester concentré. Ok, et bah je vais passer à 40. Eh, je suis quand même à 41 de dégâts. Et ouais. Par contre, les chances de coup critique. Explosion de saveur. Hein. 45% de chances de coup critique, 25% de dégâts contre les morts vivants, 10% contre les humanoïdes, 25% contre les bêtes et 25% contre le vol. Ouais. Ouais, t'es bien, ouais. Ouais. Ouais, on voit ça. Ah, je compte tes stats là. On a vu ça. On a vu que t'étais bien. Hein. Alors que moi, 7% de chances de coup critique, quoi. C'est dégueulasse. Bah boire, hein. Y'a que moi qui ai besoin. Voilà. Bon bah j'ai pas récupéré de points de concentration. C'est tout pour moi. J'avais juste besoin de récupérer des points de concentration, c'est tout. Oh non, Shin a essayé de déconnecter. Oh non. Signons ainsi la fin de l'épisode. Nous n'aurons jamais la fin de cet épisode. Qui visiblement a un peu crash. Et qui visiblement a complètement crash. Des bisous YouTube. On se retrouve bientôt. Ciao.